Gentil, mais à un moment donné. Oui, bon, bah voilà, je dors. Et puis quoi, en plus, je suppose qu'on va se retaper tout le début qu'on a déjà fait en vidéo, donc on perd déjà une Mais heure et demie, 2 heures de non, quand ils gameplay. font des démos, ils font pas ça. Tu vas voir, c'est complètement différent. Ah bon, d'accord, je pense qu'on va juste arriver à l'extérieur de la maison et il va se passer les mêmes trucs, mais ok. Il est d'une mauvaise volonté. Bah, je ne dis rien, je dis juste qu'on va le revoir. En plus, Putain. tant bien, on a déjà fait une vidéo best-of dessus, du coup, les gens vont voir la même chose. C'est le seul jeu d'horreur bien qu'on a à faire et il le trash. Mais j'y peux rien si ils ont fait une bêta ou c'est le chapitre 1. Putain. Sélectionner le niveau de difficulté. Standard. Bête. Ah, moi je voyais plus bête dans le sens idiot. Bah ouais, c'est pas très malin de l'appeler bête. Est-ce qu'on peut mettre des animaux dans ce jeu? Ouais. Regarde comme Where c'est am I? beau. J'ai pas dit Ça te qu'il était détend moche. pas? Non, moi oh, aussi j'ai détendu. Moi, ça me Ah tiens, détend. laisse-moi deviner, il va tuer tout le monde, les gosses et lui-même. Why are you stalking us? Is this about Adam's work? Oh. What do you want from us? Why are you tormenting our family? Bah tu vois, c'est pas... Attends. C'est pas la même histoire. C'est pas... Complètement la même. Il n'y a pas de sa... Oui, mais elle a dit pourquoi vous tourmentez notre famille? C'est quelqu'un extérieur à la famille. Mais c'est le même début! Ouais, d'accord, mais ils ont changé l'histoire. Non, je crois pas. Il me semblait que c'était le père la dernière fois. And you've ruined everything. Pictures, Bon, ça, je m'en bugs, souviens. threats. And now you've killed them. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Bon, j'avoue, c'est pas c'est le même truc. C'est bizarre, on dirait la même chose, mais en pas pareil. Il manque des gens, non? Ouais, je sais pas. C'est le bon jeu? Ça s'appelait The Beast Inside, c'est ça? J'ai quand même... En plus, je trouve plus moche, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas. Non, il est censé être beau le jeu. Ouais, parce que là, c'était bof. Attends. Attends, c'est pas... Attends. Attention, c'est encore Full Escape là. Attends. Attends, il est pas Apparemment, c'est beau. Full Escape. Enfin, il est ok, mais il est pas comme on avait vu la dernière fois. Non, mais lui aussi, on dirait qu'il est sur une page de livre. C'est le Mais ça bordel. n'a... Attends. Attends. Il va vraiment vérifier que c'est ça. The Beast Inside, hein, on est bien Non, mais d'accord. c'est bon, c'est le bon jeu, The Beast Inside. Mais mec, ça n'a rien à voir avec la démo. Pour l'instant, attends qu'on arrive à la maison. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est moche. Ok. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to Oui, visit ils the emménagent. city. C'est vrai, il y a des cartons. Ouais, ok. The weekend, honey. Juste, ils ont un, Not for the un peu rest of baissé les our lives. graphismes pour la sortie quand même. He says it's for the rest of our lives. Mais Il genre dit de ça à ouf en fait. Spider-Man. We don't know the day Peut-être or des the options qui hour. sont. Very funny. Like we Non, don't non, have j'ai enough tout gun foutu en nuclear ultra. threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country will be like a basket full of nuclear mushrooms. Après, c'est malin de tout donner sur la démo, comme ça Yeah. les gens ils achètent le jeu complet. But then Non, again, mais attends, ils ont pas if a downgrade. shack will Pourquoi fall il leur a down fait? on Il us, tournait bien le jeu. poisonous Ils ont boys downgrade comes de to ouf, j'irai jouer à la démo après, It's tu no vas voir. shack. It's a present from your Mais parents and you should pourquoi ils auraient appreciate it. downgrade si la démo tournait bien? Take a look. Je sais pas. Oh, it looks even better than the photos. That's weird. Non mais. Super l'immersion, les changements de plan comme ça. Non mais non. Well, our stuff made it here Bon, before là us. j'avoue, on dirait There's vraiment, no tu sais, reason genre, we shouldn't even bother Workbench reading stuff. Non mais. It's Mais. okay, we'll bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give Je orders. vérifie juste. J'ai pas de. Ouais. Oh putain, c'est en ultra en Oh plus. putain, sa mère, c'est trop Bon. bizarre. Ok, bon, vas-y. C'est. On va voir. Three-hour drive and we're finally here. The place. Bon, on va passer puisqu'on a déjà fait ça. On arrive, on emménage. Hop. Voilà, bon, tout ça on l'a fait, faut le refaire vite. Emmener la boîte dans la maison. Mais j'ai pas les clés de la. Bah non, la grenouille, ça les a prises avec elle, tiens. Oh, je sais quand c'est.
Gotta get those boxes inside. Ok. C'est un speedrun que vous voyez là. Hein. Ah, ça va aller vite. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on peut prendre absolument tous les objets. Tout le temps. C'est du pain béni pour moi, ça. Examiner. Tourne là. Ah. Oh. Ok. On s'en branle. On s'en fout. Peut-être. Fallait trouver les clés de la voiture de toute façon. C'est peut-être la meuf qui les a. Attends, mais c'est elle qui les a. Sûrement. Elle est aux chiottes. Oui, elle est aux chiottes. C'est la grosse commission. Un crochet pour abaisser les escaliers du grenier. Je prends direct. Allez hop. Direct. Attention à la tête. Attention à la tête, on a dit. Ah, il faut des clés. Oh. Oh putain, c'est vrai qu'il y a 1000 tiroirs. Mais les clés doivent être dans un endroit logique. Oui. Elle peut pas nous dire où elle a foutu les clés, la merde. Elle est occupée à chier actuellement. Elle fait 3 heures de route là, elle en peut plus. Hey, bientôt fini de chier. Tout est fermé, ok. J'ai testé ici. Je suis pas sûr. Ok. C'est des clopes. On s'en branle. Un endroit logique. Fermé. Quelqu'un qui se brosse les dents. Juste au-dessus. Quelqu'un a un endroit logique pour des clés? Attends, ils sont peut-être restés. Sur le contact. On est des connards, si c'est ça. Ouais, attends, t'es pas censé pouvoir ouvrir le coffre avec le, tu sais, le petit bouton qui fait... Crac, bah, là. J'appuie dessus, mais non. Y a pas les clés. Par contre, non. Non, baiser. Emma wanted me to take the boxes inside. Ah, ces boîtes là. Ok. Peut-être qu'on aura dû suivre des objectifs. Peut-être. Moi je pensais que c'était des boîtes dans la voiture. Mais non. La peinture au grenier. Allez au grenier. Vous pouvez me donner la clé? Oh, ça va. Great agent, just like dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. Qu'est-ce qu'il fait? Dégueulasse. Il fait rien de spécial, mec, je crois. Tu es en train de devenir un truc malsain, mais... Ouais, bon, peut-être qu'il est en train de pénétrer un coquillage. Mec, en vrai, je sais pas, mais bon... Après, chacun son point de vue, chacun son interprétation. Trouver la clé dans la salle du rez-de-chaussée. Petit chérubin, la petite face à l'air. J'adore les chérubins, moi. Moi, j'en veux plus tard dans ma grande villa, là. Grandeur nature. Plein de chérubins, là, dans le jardin. As if there was one drawer. Trouver les clés dans la... Ils disent pas plus de... Oh non, vous trouvez vraiment les clés, genre... Ils ont juste dit dans la salle au rez-de-chaussée. Elle a dit tiroir, ça, elle a mangé. Ah, et voilà, dans la voiture. Ah, et maintenant, ça fonctionne. Voilà. Je l'ai. Et là, normalement, on va trouver l'arme du crime qui va nous faire faire un flashback. Na, 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 na. Par contre, je sais plus où elle est. Examine. Ah, des petits chérubins encore. Oh, chérubin, putain. Il adorait ça. Hein.
Fais-nous pivoter le truc par derrière. Moi aussi, j'adore ça. Oh le bordel. Baned. Ça devait être un truc comme ça. Il voulait de la Non, non, l'échelle, monte l'échelle. Il voulait de la peinture. Et là, tiens, j'adore les pieds de biche. Hop, très bien, voilà. Lâche. Et flashback ou pas? Non. Rien du tout. Juste un petit clin d'œil, quoi. Par contre, il nous faut. Oh, moi aussi, j'ai un carton avec déco de Noël. Je dois avoir un truc du genre, mais je ne sais pas où il est. C'est vraiment ça, moi, j'ai un carton avec tout. Les guirlandes, les boules. Peinture. Damn it. T'es vraiment une merde. What's that? Je peux absolument rien faire, regarde. Le hasard fait bien les choses. Finalement. Puisque. Oh, allez. Putain. Oh. Allez. Putain, allez. Waouh, ma souris. J'ai fait 4 fois mon tapis de souris. Mais la planche cache tout. Putain. Voilà. Un extrait des commentaires sur la guerre de Gaulle, des Gaules de Jules César. Certaines lettres semblent différentes des autres. M H P A O. M H P A O. Bah c'est bon. Lorsque le mode examen est activé. Ok. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open okay. The box. Bah tu peux pas le tourner. Je vais d'abord utiliser le disque. Alors M H P A O. Disque de pisse. Le disque de pisse. M. Donc tu me retiens ça. C. Vas-y, C. X. E. F. Q. Q. C. X. E. F. Q. Et ça. Ah bah alors non. C'est. Attends, un moment, t'en as compté une en plus, mais je. Ouais, c'est parce que je crois que tu t'es arrêté sur un truc. Ah, ok. Tu t'es arrêté sur un ouais, truc. Ouais, il s'est arrêté sans que je le vole. Donc c'est. Bon, du coup, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est. X. F. CXF. Q. CXFQ. CXFQE. FQE. Bah, nickel. Très bien. On va recommencer du coup. On a bien compris. C'est nickel. Ça tombe bien, c'est exactement ça. M H P A O O. Pourquoi? C'est bien ça? Attends, je revérifie. Ouais, relis. Moi, je vois un M H P J égale C. Ah. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Je comprends pas. Comment ça, J égale C? Ah, tu peux tourner les plateaux? Fais en sorte que J corresponde à ah, C. Ah putain, on peut les tourner. Ok, oui, c'est le code César. Oui. Non, tu l'as dépassé le C. Oui, attends. Some characters in Caesar's letter look different. Ah, ok. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Voilà. M. Alors. H. Alors, F. A. P. I. T. A. H. Faith. Ah bah oui, ok. Faith. Faith. Faithful. Non. Clic. T'aurais pu prendre le play de biche depuis le début pour ouvrir la boîte. Hein. C'est vrai que c'est très respectueux ce qu'on a fait. Hein. Claire, tic. J'ai tué tout le monde. C'était vachement bien. Je vais recommencer. Mec, il y a un mec dans le chat qui donnait la réponse. Du coup, il s'est fait engueuler et il a fait
Oh bah dans ce cas-là je dis plus rien. Ah bah si c'est comme ça, moi je me tais. Hein. Moi j'essaie juste Bon, d'aider. ouais. J'ai de la réponse, ouais, si vous me formulez, comme ça. Ouais, super cool de votre part. Hein. Voilà, bon, on s'est un peu oublié au grenier. Ah non, d'accord, c'est le flashback du mec qui a écrit le cahier. Ok, donc là c'était marrant, mais je me souviens que ça va en faire peur, donc c'est chiant. Ouais, bon, je sais qu'il y en a un qui va nous courir après quand on va ramper. Oui, oui, mais ça faisait peur. Heureusement, on s'y attend. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago without so much as leaving a letter. Okay. The house feels strange. Even though it has not changed one bit, there are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. Et qu'est-ce qu'on doit trouver? That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father and what happened to me. Appuie sur table pour lire le journal. Je viens de le faire. Je me souviens que c'était en bas. C'était en bas? Ouais. Alors là, tu dois ramper, je crois que tu vas dans une cave. De toute façon, tout est fermé. Pas effrayant du tout, ce monsieur. Ok, oui, on va faire le tour. On ne peut pas, à cause de ça. Ok. Ah! Ah! On peut. On peut. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était cette histoire. Acheter le terrain. Avec les bêtes. Le bétail. Très très bien. Tu prends pas ça. Hop là. Dans la poche. Quelqu'un a fermé la porte? Ah, faut que tu pousses l'armoire. Putain, fais chier. Attends, y'a un autre truc à prendre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Le kérosène, c'est bien. L'armoire. Tu parles de. Bah, il y a une armoire qui est derrière, qui bloque la porte. Ouais, je sais, donc, mais là. Tu pousses l'armoire, mais de l'autre côté, je pense. Ça, je peux pas le pousser, tu vois. Mais. Ah non, oui, c'est y a pas ça. L'armoire, c'est ça, d'accord. Il y a ça qui je bloque. C'est l'armoire. Okay. Attends, il y a un autre truc à prendre sur le bureau. Non, pas le bureau, la table derrière. C'est quoi ce bruit de merde? Non, c'est rien, c'est un bruit de pas au plafond, mais c'est normal. Ouais, juste là. Non, pas d'inquiétude. T'as pas récupéré du coup le truc sur la... Non, c'est de la merde, c'est un... Encore ouais, un ça donne truc... pas un indice. Regarde, tu fais examiner, ça te dit quoi? Encore un truc de mauvais goût. Mais rien de caché? Ah attends, tu vois, regarde. C'était un cadeau du partenaire de mon père Georges. Ouais. Alors on en apprend plus sur le père Georges. I light the candles. Ok. Pas de problème. Oup. Tu peux pas le light un petit peu là? Ah si tu l'as fait, d'accord, il n'y a pas d'animation pour... Ouais, je l'ai fait. Oh, pas celle-ci. On va pas celle-là. Je réfléchis. Oh, c'est triste parce qu'on l'a fait tout ça. Bah ouais. On va pouvoir s'en souvenir quand même. C'est pas en haut, range son tableau, ça. Un jeu pour moi, ça. Parapluie. Oh, c'est secret, toujours, ce qu'il y a là-dedans. Oui. Tiens. Oh. Bon, faut pas déconner non plus. Bah monte à l'étage. Je vais monter. C'est là que t'entends les bruits de pas, donc. Mais j'allumerai bien encore quelques bougies.
sait jamais. Attention, t'as pas un nombre illimité d'allumettes. Hein. Ouais. Mais je vais faire ça vite. Upstairs. Pourtant, on l'a déjà fait. Ouais, mais là, j'ai pas aimé. On l'a déjà fait, mais j'ai pas aimé, c'est chiant. I thought the window was bolted shut. Oh, je vais fermer la fenêtre. Oh. Fiche suivant. C'est chiant, hein. Oh, je l'ai vu passer, du coup, j'ai pas eu peur. What are you doing here? This is private property. Ah, il te montre la cabane à oiseaux, là. Je sais plus ce qu'il te montre, mais faut que t'y ailles. Il s'en va tranquillement. Il chill. Tu fais sa petite vie, là, connard. Moi, je le regarde partir quand même, on sait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, partez, ouais. S'il disparaît d'un coup, ce sera moche quand même. S'il dépop. Il est là toujours. Je vous vois. Je vous vois plus. Bon, bah s'il est à l'extérieur, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais, faut descendre. Il t'a indiqué un chemin. Ouais, mais bon. Where the hell did he go? Pourquoi tu prends la peine de fermer la porte? Parce que sinon, il va rentrer. J'ai pas fermé la clé, tant pis. Faut être complètement con pour le suivre. Hein. On appelle la police et puis c'est tout. Bah dans la vraie vie, y a pas de truc d'horreur et paranormal, donc à la limite. Ah ouais, faut pousser ça parce que ça bloque la porte. Ah. Strange, the light is coming from the inside, but the... T'as pas un truc pour le péter, ça? Un marteau, hein. Ouais, ça, voilà, tu donnes un bon coup dessus, là. Oh, paf, c'est bon, là. Un coup de bûche, là, je peux te dire que dans la tronche, ça fait mal. Dommage. Ah, ouais. Bonne pince coupante, ça. Vous êtes à l'intérieur? C'est bon. Ça nique tout le jeu, tu sais, tu le vois qu'il y a tout le temps caché dans le coin. C'est bon, il est pas là. What the hell is this? That's my father's hat. Oh mon dieu. Baseball. Ah non, basement. Leave this as some kind of clue for me. I should look into it. Ah. Bah du coup va dans le basement, c'est là. Bah go basement. Le mec qui rentre. Tiens. Un effroyable crime. Ok. La gorge tranchée avec du papier de verre. Il faut être complètement malade. Better go home. Basement, allons-y. Oh! Bah, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Voilà! Prends ça au premier degré, hein! Hey, are you deaf? I'm talking to you! J'appelle la police. Restez là! D'accord. Bon. Bon, bah, je l'appelle quand même. Ouais, je reviens et la police arrive, je vous le dis. Je crois qu'il t'a ouvert la porte du basement ou un truc. C'est gentil d'avoir ouvert cette porte en tout cas là. J'ai sauté. T'as sauté in-game. T'as des réflexes de peur in-game. C'est pas normal, tu as fusionné avec le jeu. Le mec est sur Fortnite. Oh, j'évite, je strafe. Elle est horrible cette toile. Aucun problème avec cette toile, c'est vraiment bien fait, c'est super. Mon dieu. Mais récupère donc ces objets sur la table, ça me stresse. Ouais, t'inquiète donc pas. Oh, t'en as plein. T'en as 21, putain. Oh, il m'a tout dégueulassé, quel con. Bah j'arrive, je vais vous ouvrir, j'arrive. J'arrive.
Et on m'a appris un tips, si tu veux faire caca et que ça pue, tu craques une allumette dans les toilettes. Et que ça pue? Ouais. Genre un truc pour que ça pue plus? Non, pour que ça pue moins. Ah, parce que tu m'as dit, hey, si tu veux que ça pue. Genre, je me suis dit, bah c'est quoi ce tips chelou? Ouais. Mec, si tu veux que ça fouette dans toute la baraque. Tu mets une bougie là, c'est top. Donc juste une allumette. Ouais, tu craques une allumette, apparemment, ça tue l'odeur. Sur le même principe que les bougies parfumées Non, je pense que c'est pas comment ça doit être un phénomène qui s'explique, mais apparemment. Ok. Si des gens l'ont déjà testé, est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Moi, je m'occupe plus du mec. On l'a déjà fait. J'attends de voir du nouveau, moi. Moi, j'ai pas peur. Voilà, on speedrun. On n'a pas peur. Ça annule le soufre. Ah, le soufre annule l'odeur, oui. Je valide le tips. Ok, ouais. Ça marche. Vraiment un truc de ouf. Eh mec, si un jour tu fouettes du cul quand tu vas aux toilettes, bah tu craques une petite allumette. Eh, c'est bien, j'y pense. J'y penserai. Ah, trop gênant, tu vas chez des gens et tu vois une boîte d'allumettes posée sur la cuvette. Ou au pire, tu demandes des allumettes avant d'aller aux toilettes. Tu as des allumettes. Ou gênant, t'es avec ta meuf, elle part aux toilettes et t'entends. Dans ma serviette. Ah. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Ça marche. Putain, avec les cisailles. C'est ouf. Quoi, il y en a plein qui le savent. Bah, il y en a plein qui le font, je veux dire, visiblement, le truc de l'allumette. Sérieusement? Dans le chat, c'est que des gens qui confirment que ça marche, ils le font et tout. Vous êtes bizarre, ça doit vraiment puer sa race quand vous, quand vous chiez pour avoir des strats pareilles. Genre, c'est étrange quand même. Pourquoi j'ai eu repos? Je suis trop con. Parce que putain, moi je m'en souvenais. Voilà. Je t'avais dit en plus quand on s'accroupit. Ouais, je sais, mais je pensais pas que c'était maintenant. On arrive bientôt à la fin de ce qu'on avait. Ouais, fait. Faut qu'on trouve. Putain, ça veut dire qu'il est dans le coin là, ça me saoule. Mais t'as du kérosène, non? Pour recharger la lampe à pétrole. Ouais. Je sais pas comment l'utiliser. Kérosène utilisé, voilà. On a l'impression de le boire. Faut qu'on trouve des. Un truc pour crocheter la porte. Il a dit que c'était. Bah, il redit pas où c'était. Il y a un gars, il a essayé de se dédouaner. C'est pas forcément quand ça pue, hein. C'est juste que bon, une petite pêche, une petite allumette, quoi, normal. Normal, quoi. Normal, quoi. C'est la prévention. C'est pas dégueulasse, au contraire. Je trouve que c'est sain. Vous êtes trop des enfants. Non, c'est bizarre. Après, si ça marche, écoutez. Ouais, non, mais c'est chouette pour votre famille et vos proches. C'est tout à votre honneur, hein. Quelqu'un peut juste me rappeler où il a dit qu'il y avait La serviette. Ouais, mais c'est-à-dire la serviette. Serviette qui est attachée à la caisse. Bah, tu pouvais pas me le dire avant. Quelle caisse? La caisse qu'on t'a vue tout à l'heure. Mais j'en sais rien, il y a des caisses partout. J'ai pas spécialement vu une caisse. Puis tout à l'heure, mec, j'en sais rien, je lis le chat. Oh bordel. Oh attends, j'ai toujours voulu faire un truc. Ça a marché. Ah yes. Ça a vraiment marché. Mais du coup, je sais pas ce que c'est le rendu, mais j'espère que c'est pas. Oh non. Cet emoji bon cul qui pète, ça fait trop. Cul relevé là. Le petit cul bien en l'air là. Ah, c'est bien ces émotes là. On a vu ce truc de racine là. Ma mémoire pas tout à fait ce qu'a été. Ça s'arrêtait ici, non? Non. Ah non, ça je m'en souviens de ça. Ah, on voulait monter, ouais. Je la reconnais, c'est Deadpool. Ah, malin. Malin. Il y a des mots jipettes qui sont dans le chat là, hein, vache. Ça fait du. Eh, ça fait du sub tout ça. Ça pète là-dedans là. Bien joué pour vos subs.
Se bécher Wankill pour avoir votre émote de paix. Je rappelle que sur le stream, il y a 50 000 émotes dont des youtubeurs qui sont jamais sur le stream et on en a pas ici. Donc non, on parle bien des émotes Wankill sur le Twitch Wankill. C'est vraiment indispensable de sub chez Wankill pour cette émote. Émote paix qui peut être utilisé tout le temps. Moi j'allume des bougies. Je vais pas prendre les objets, vraiment ça me. Okay. Ça casse, hein. Les objets. Ouais, ça là, quand ils te disent de les prendre et de les regarder là. Ça prend. Fais avancer l'intrigue, merde. Mais on s'en branle de ça. Non, regarde, il y a le petit indice qui. Non, y a... si, il y a un petit indice là. Non. En vrai, on s'en balance, hein. Ouais, mais en... ils mettent la loupe, ça veut dire prends-le, tu vois. C'est toujours un gamin qui encule un coquillage, hein, oui, vraiment. Mais vu qu'il y a la loupe, ça veut dire prends-le. Pourquoi t'as pas été là en haut à droite? En haut à droite où? Là? Non. Non. Ça c'est en haut à droite. Non non c'est pas en haut à droite, genre là à gauche, 180 degrés. Là à droite, au fond à droite. Là? Ouais. Je suis allé je crois. Ah ouais? Y'a rien. Par contre t'expliques que... Je peux fermer la fenêtre à la limite. Va dans le puits! Va voir le puits, y'a une torche ouverte et ça montre le puits. Alors là, je me coupe du coup si c'est pas ça. Ça, bon, c'est intéressant. Fais chier. Je ne me souviens plus de ce qu'elle ouvre. Ça marche. Merde, c'est sûr que c'est lui. Non, mais ne ça rentre pas, mais ne rentre pas. Ça s'arrête, je pense. Oh, dans la vraie vie, y'a pas le bruit. Oh là. Il a tombé, ce con. Il y a un escalier derrière toi. Oh, oh le con. Ok, ça c'est la fin de la démo. Ok. Peut-être, je crois. Moi j'avoue qu'on a été plutôt fast. On avait pris notre temps pour faire la démo. Ouais. Chapitre 3, parce qu'on a fait déjà le 1 et 2 là. Ouais. L'ancienne maison j'ai de mes parents. Quand on a fait le 2. Emma et moi avons décidé d'emménager, cache plus de secrets que je l'imaginais. Sous une planche du grenier, j'ai découvert le journal caché d'un certain Nicolas Hyde. La lecture de ses écrits m'a glacé le sang. Je ne sais pas si les passages les plus perturbants décrivent des événements réels ou s'ils ne sont que des délires inventés par ce Nicolas. Ah, bon, on est mieux quand même. Alors, Emma. Elle est où Emma? Elle a fini, elle a craqué son allumette, Emma, c'est bon? Emma, pourquoi t'as 40 allumettes sur toi? J'ai payé ces salauds à l'avance. Ils n'ont même pas pris la peine d'emmener ces boîtes au grenier. Bah voilà, c'est des déménageurs de merde. Fallait bien pas la trouver. Pas facile de trouver des bons. Fallait bien la trouver au premier étage. Ouais, ils ont dit au premier étage. C'est là. Elle est dans le grenier peut-être, ah, cette conne. Elle est là. Pas du tout. Oh, elle est con. Elle est où? Complètement con, elle est descendue celle-là. Bah non, c'est pas, c'est plus le premier étage du coup là, si elle est descendue. Mais... Elle est morte. Elle est morte. I was calling you before, but you wouldn't even answer. Elle est morte. Elle est morte depuis des mois. A fuse must have blown. Bea darling, go to the basement and fix it. Oh non, pas la cave. Pourquoi elle nous engueule? The sooner we start the better. I don't have to tell you that. Elle aime pas cette nouvelle maison. Mais elle est grave vénère, genre c'est pas notre faute si les plombs ils ont pété là. Ah, premier étage aux US, ça correspond à un rez-de-chaussée? Ah ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, quel est le zéro du coup pour eux? C'est le moins 1? Je vais emmener ce magazine à la cave, moi. Je reviens, Emma, là. À tout à l'heure. J'ai remplacé le fusible. Yes. La pougnette du soir, là. Hop là. Ah. Logique. Pas besoin de lumière pour se faire sa petite affaire. Trouver une lampe de poche au grenier.
N'importe qui aurait pris son smartphone et aurait mis la lampe torche de son smartphone. Oui, c'est vraiment. C'est vraiment pour nous emmener au grenier, hein, on vous voit. Vous pouvez. Pas de force. Voilà. Pareil, je vois ça à cause US. Est-ce qu'en France, il y a déjà des gens qui ont un grenier où tu y accèdes comme ça avec une trappe par le haut et une échelle qui descend? Je suis persuadé d'avoir vu ça un jour en France, mais j'en suis pas sûr. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui avait ça. J'ai déjà connu des greniers avec la trappe, mais pas d'échelle. Ok, tout le monde dit oui, elle est ouf. Si, j'ai déjà vu ça dans des maisons et je trouve ça extrêmement badant d'ailleurs. Si, j'en ai oui. Ah, tu m'étonnes. Clairement, j'ai vu. Parce que j'ai des frissons rien que d'y penser là. Ouais, c'était chez encore ta nourrice là, qui violait ton cul. Ouais, il m'emmenait dans la. Il m'emmenait dans le grenier et il me violait le cul. Non, c'est bon, je sais plus où c'était mais. Un cheval. Ah, pour le coup, il m'a pas fait peur ce con. Non, moi non plus, parce que j'ai vu que c'était un cheval assez vite en fait. Bah ouais, il est débile. Bah non, c'est un cheval. Alors, les fusibles. Where are the fuses? Ah, ça a été bouché ici. C'était là qu'on était poursuivi, exactement là. Strange, once more. Ça a été bouché. Someone take it out on purpose? La clé du cabanon. Vous t'avez cherché des fusibles dans le cabanon? Oh mais putain. Les allers-retours, putain. Dépêche-toi, il va faire nuit ou non? Slow Skype. C'était. Oui, c'était là. L'entrée. Oh, c'était bon. Pourquoi tu t'as pas le droit d'ouvrir la porte? Non, c'était pas évident. Ah oui, il y a. C'est... Bah, qu'est-ce que. Bah, attends. C'est pas. Bah, comment tu y accèdes? Il y a une autre entrée, c'est pas évident là. Il y a un autre cabanon? Ah. Oh, ok, d'accord. C'est dégueu, t'as un bidonville le truc là. Ils s'en prennent pas soin. Hein. Ah t'en as à peine fouillé. What the f... What is this? Where did all the blood come from? Ça pourrait servir. Ouais, mais c'est encore la rumeur. Shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? Why would Emma bring my old stuff from the office here? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un quantum? C'est pour localiser le quantum. Ouais, j'ai bien compris. Bah, ça tombe sous le sens, non? C'est pour localiser le quantum. Bon, on regarde, ça peut être très pratique de localiser le quantum. Localisateur quantique. Le localisateur peut détecter et analyser des traces quantiques qui nous permettent de voir de courts flashbacks de gens du passé, avec notamment leur emplacement exact et leurs activités. Oui, ça existe. Hein. Je n'ai jamais eu la chance de l'utiliser sur le terrain, mais nous avons reçu l'ordre d'en garder un sur nous au cas où. Je préfère avoir un fusil qu'un autre gadget des intellos de la CIA. C'est qui fait ça? C'est Jeff Bezos qui fait ça? C'est génial! Putain, bah, peut-être dans 5 ans on aura tous un localisateur de quantum. Ok, vous pouvez ouvrir la porte. Emma? Honey? Emma, je vais t'enculer avec le bras là, c'est parti, bouge! Faut le faire avec quel timing? C'était pas Emma? Mais Emma, si c'est pas toi qui m'as enfermé dans le cabanon. Laisse-moi vérifier mon quantum. Comment j'utilise mon. X. Je ressens quelque chose dans le quantum. Quantum qui gratte. Cette icône vous indique que le nuage est proche. Des nuages quantiques. Regarde en direction du cabanon. This prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles and with a little bit of luck and science. Où est-ce que tu vas trouver des particules? Oh là 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 là.
Non mais c'est quoi cette histoire là? C'est très... Les particules dans c'est le temps. C'est étrange cette histoire. Déjà on va partir. C'est quoi impulsion? Ça? I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go and the numbers the distance. Bah il veut que tu trouves un nuage quantique. Moi j'y suis presque. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud and I need to scan it. Regarde dans les autres côtés, je pense. Genre, ouais, voilà. Fin 360 et regarde avec l'impulsion. Ah! Il y a du quantum là. C'est quoi comme quantum? C'est quel genre de quantum? Montre-moi ton. Écarte ton quantum là, pour que je le vois bien là. Oh! Oh, un jardinier dans le quantum! Qu'est-ce qu'il foutait là? Salut! Ok. Et il cachait un truc? Trouver le nuage. Bah, ça y est, je l'ai trouvé le nuage quantique. Bah, ouais, attends. Ouais, est-ce qu'il était pas en train de cacher quelque chose là? Il a caché un truc, hein. Bah, le mec sortait ses poubelles, c'est top. C'est dégueulasse. Non, bah. Moi, je vais tout raconter à ma meuf. Eh, hey, chérie, regarde ce que j'ai trouvé dans le cabanon. Chérie, je peux te parler du quantum? T'es où? Tiens, regarde, mets-toi devant moi, tu vas voir. Je vais te scanner le quantum là, mets-toi devant moi. Ah, j'ai localisé un nouveau nuage de quantum. Tiens, tiens. J'y vais. Ah non. C'est... Ah ouais, c'est... Genre là, je suis dans la bonne direction. Ouais, ça doit être dans le truc là, le Porsche là. Scanner. Une impulsion là. Oh là. Anomalie détectée. Détruisez l'anomalie. Les nuages peuvent être instables et leur lisibilité peut être affectée par des anomalies. Quand cela arrive, vous devez toutes les détruire. Trouvez les anomalies dans votre... Clic droit, bouton droit de la souris. C'est quoi ce qu'ils appellent une anomalie? Alors ouais, ce pistolet à quantum là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ok, vise le truc. Tu vises pas les petits nuages? Ah, c'est toi qui tire et ça c'est ça? Je crois pas. C'est quel... Mais c'est quoi? C'est un jeu rétro? Qu'est-ce que c'est là? Il est où le... Où sont les anomalies? Ah, oh tiens, tire donc sur ce quantum. Eh, ça va pas ou quoi? Vous êtes en état d'arrestation, c'est la police du quantum. Police de l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un autre regard dans le cabanon là. Oh! Ah non, c'est le. C'est pas... Je vais vous buter! Qu'est-ce qui se passe? Un truc caché sous le banc? Qu'est-ce qu'il faisait avec ce banc? Un grappin. Ok. Bah, je suis refait. Ça, c'est bien chouette. Putain, je suis trop content. Ok. Chérie, j'ai trouvé un grappin. C'est pour y aller. C'est pour attraper des trucs. C'est un jeu d'André Burger, tu sais quand ça sentira, quand ça commence à sentir la merde, les gens ils font c'est peut-être André Burger qui a fait le jeu là. C'est... Ouais d'accord, j'ai pas l'instruction là. Non. Oh non, je veux pas le lire. Après je peux chercher d'autres fantômes hein. Mais bon. Là, j'ai pas de pourcentage qui m'indique où aller, donc je suis pas sûr que c'est ça que je dois faire.
Après, je peux me balader. Hein. Mais où est ta femme? Enfin, où est notre femme? Bah ouais, c'est ça le problème. Où est notre femme? C'est bizarre. On va un peu un couple polygame. Où est notre femme, tiens? Ah, je sais pas. Non, y a plus rien. Je sais pas. Ah merde. On va servir du pistolet quand on tombe toute la journée quand même. Ah ouais, ouais, je peux. Non, y'en a encore à trouver avec les bords là. Ah ouais? On va le faire. Ouais, tu vois, j'avais des doutes sur le jeu, mais là, avec cette partie là, c'est bon. Je suis assez content. T'as pas envie d'un Flowscape quand tu joues à ça? Eh, franchement, c'est. Bah non, attends. C'est top. Enfin, des nouvelles idées dans les jeux d'horreur. Ah ouais, ouais, c'est clair. Regarde. Putain, ça fait du bien, hein. Ah, ça fallait y penser, hein. Ah. Un peu plus haut. Ah non, c'est bon. Extra. Je vais reprendre mon grappin. Hop, voilà. Il y a une anomalie dans la cabane à oiseaux. À droite. Là-dedans. C'est pas une cabane à oiseaux. Dans le poulailler. Là. C'est là qu'il y a une anomalie. Garde-moi ça. Ah, oh, le sang. Une anomalie dans le slibar. Le sang est réaliste. C'est quoi ce rouge? Qui a fait tomber de la peinture? Trouvez un autre chemin. Tiens, salut. Qui était là? En fait, vous rampez tous? C'est qui? C'est des singes? Comment ça se passe? C'est des... Ils sont pas devenus encore bipèdes. Bizarre. Trouver un autre chemin. Bah moi j'ai un grappin, hein, j'ai pas peur. Ouais, ça faut le casser, voilà. Putain. Je vais m'éloigner encore un peu plus. Encore plus. Ouais, il faut un marteau pour enlever ça. Ah. Ah ok, c'est pas logique. Okay. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu où on a un pistolet quand on essaie de forer? Mec, le jeu est insane. Ouais. Putain, voilà, ça me rappelle un... ça partait bien, hein. Et encore une fois, un énième truc paranormal à chier. Mec, j'adore. En ce moment, genre, c'est comme Chernobylite qu'on avait fait. En ce moment, je trouve qu'il y a un truc sur le jeu. Ils ont des inspi-mec, c'est trop bien. J'adore. Tu sais, ils se libèrent un peu. Quoi. À chaque fois, c'est trop bien, quoi. Ça fait plaisir. Un peu sortir de la réalité, quoi, tu vois. En vrai, on dirait qu'ils ont pris une autre tournure, c'est con. Parce que la démo était pas du tout comme ça. C'était vraiment horreur, la démo. Ah ouais, non, il y avait rien de. Il y avait pas de truc surréaliste à part la gueule du. De l'espèce de fantôme, quoi. Damn it! Closed, just closed. Ça c'est le petit côté André Burger où tout est toujours fermé. Le mec il a raison, il a dit quand on pense que tout part d'un fusible qu'il a pas remis. Ah ouais non mais ouais c'est vraiment genre le scénario téléphoné quoi. Ouais, je cherchais un fusil puis j'ai trouvé un truc à Quantum. Putain. Ah maintenant faut stabiliser les anomalies. Il va essayer de stabiliser avec l'intérieur là par le trou. On peut stabiliser le bordel là. Non. Contre le mur je peux pas. Mais attends. Je pourrais peut-être. Faut que tu trouves un outil tranchant. Bien vu. C'est vrai. Bah je t'aide un peu. Je pense que je serais resté coincé 3 heures. Ah et là. Un outil tranchant, compte aux dents. Ok. Bon, reste à le trouver parce que je fais le malin, mais je vais pas le trouver dans le Quantum. Hein. C'est tranchant comme branche. Ça pourrait. Non, c'est pointant. Par là. Ouais, est-ce que tu veux. Bah, c'est plus beau que dans Flowscape, hein, là. C'est trop beau là. Regarde. J'adore.
Ouais, est-ce que dans Flowscape on peut chasser des quantum? Je crois pas. Mais pourquoi ils ont ouvert tous ces chemins? Y'a quoi? Elle est belle la branche. Très bien. Tu peux escalader, pousse la boîte contre un truc. Ça te permettra de monter à hauteur. T'as joué à pas mal de jeux vidéo toi, non? Tu peux rigoler, tu sais ces choses là. Ah, tu passes par le toit peut-être? Pas du tout, je passe c'est même pour par revenir derrière. ici. Ouais. Ah, espérons qu'il y a une entrée. Ah, anomalie, ni une ni deux, je charge mon pistolet à quantum et je tire sur l'anomalie. Et voilà. Ah, attends. Ça doit pas être... Ah, oh, sur le toit. Oh la saloperie. Arrêtez-vous. Vous êtes en état d'arrestation. Pouf, toi la même. Pouf. Il doit y avoir une autre. Cherche l'autre anomalie. Droite peut-être. Ah ouais, j'en vois une là, non? Bah ouais, là. Ah, je les vois jamais, putain. C'est pas daltonien friendly, hein. Oh, on leur a mis leur tarif au... Oh! Il y en avait deux ou trois? J'en ai vu une là, je crois. Oh, fumer de la weed. Là. Oh, oh man, j'ai loupé. Boum. Oh, ton pistolet espace-temps est incroyable. Boum. Maintenant, bon, je peux maintenant. Le scanner. Who is he? What can I hide here? Oh! Un objet contondant! Pile ce qu'on cherchait! On va l'utiliser du coup. Et zip, et zip, et zip, et zip, et zip, et zip, et zip. Attends, parce que je suis pas con, hein. Et zip, 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 et zip. Pas con, mais c'est pour ouvrir une porte. Hein. Pas que plus 10 pour ouvrir une porte. Hein. Au moins. Oh. Tiens, tiens. Un grappin. Je suis sûr que c'est là. Tu peux ressortir ton grappin. T'es balèze pour trouver les solutions aux énigmes. Hop là. Ouais. Putain, bien foutu. Hein. Hop. Ça c'est... Ouais mec, t'inquiète, tu vas t'en servir pour ouais. Quand bah, tu auras un ennemi qui je vais sauter, voilà. God, who could have done this? This was un chasseur. More like a fucking sadistic hunter. Ouais mais pourquoi dans l'œil? Ouais, ça va. C'est quoi qui bip? Ton détecteur de. C'est une bombe. De quantum. Il l'a mis dans le cul du cerf. Non, mais vraiment, prends ton pistolet à quantum. Je crois qu'il y a un truc qui doit. Oh. Ah non, mais il y a vraiment une bombe dans le cul du cerf! Je vais la détruire avec mon détecteur de quantum. Charge donc ton pistolet à quantum. Quoi. En plus, j'ai vraiment mis une bombe à droite, mais je savais pas. Cette échelle est cassée. Bah oui, il faut trouver un truc à tirer pour pouvoir escalader. Un coupe-boulon. Top. Pratique pour ouvrir la porte de l'extérieur. Là, là. Pour couper des boulons. Non, mais attends, je regarde s'il y avait autre chose là. Oui, 180 degrés. Il y a des chaînes. Ah, bah de l'extérieur tu pourras l'ouvrir, mais de ce côté là tu peux pas. D'accord. Plus pour bon, remonter, bah, t'imagines pas la galère. Y a quoi comme objet à tirer? Attends. Non, y a rien d'autre. T'as des trucs rouges là, tu casses les poteaux rouges, ça va te faire un chamboulement. Ah, tu pouvais tirer, tu vois? Tiens des trucs rouges. À quoi ça sert de. Oh. Il m'appelle si t'as besoin de problème pour. Oh. Oh. Impossible de passer. Et voilà. Hop. On va aller voir autre chose. Pourquoi tu l'as rangé? Je vais te montrer. D'accord. Hop là, et voilà.
Bah ouvre un peu plus quand même. Mais je vais le faire. C'est un chat qui miaule ou c'est... Qu'est-ce qui se passe? Non c'est bon. Non pas là. Oh putain qu'est-ce que c'est lourd. Oh non. Ça passe pas avec la planche, putain mais incroyable. Bah attends, tu l'as coincé entre deux planches, non? Non, celle-ci elle bloque pas. Ok. Oh le plaisir, putain. Fais pas attention à cette bombe dans le cul du cerf. Tu vas la désamorcer. Je vais l'attraper. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On dit mais c'est atroce. Non, rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? I should cut down the deer. I'm down the deer. I cut down the deer. Et zip, et zip, et zip, et zip, zip, et zip, et zip, et zip, et zip, zip. Ah. Oh. Oh merde. Un peu d'immersion. Faudrait que je nettoie mon micro quand même. Ah. C'est un truc lié au quantum, je pense. Malgré tout. Tu penses qu'il a mis quoi dedans? Qu'est-ce qui fait bip? Moi, je pense un GPS. Un tracker. Non, un truc... Oh, mais c'est dégueulasse. Oh. Mais arrêtez. C'est des AirPods Pro. C'est trop bien, ils bip, comme ça on peut les retrouver. C'est trop bien. Mais t'as fini de fouiller? C'est dégoûtant. Oh le fusible. Trop bien. Si là il se pose pas de questions, un problème. What's all this equipment? Fusible avec un dispositif inconnu. Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there is the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then attends, donc tu vises une ampoule au truc là et ça fait quoi? Donc vraiment? Quelqu'un a pris le fusible et l'a mis dans un cerf. C'est tout un chantier qu'il a fait. Hein. Et il avait prévu qu'on trouverait le détecteur de quantum pour venir chercher le cerf ici. C'est bien fait. C'est bien ficelé cette histoire. C'est bien ficelé, c'est bon. Je crois qu'il y a les scénaristes de Game of Thrones qui ont été sur le jeu. Putain, ça se sent et on veut la suite. Et vous précipitez, mais est-ce que vous ferez mieux? Ouais, bah, fermez vos cales. Bah ouais, bah voilà. I remember back in the day, some twisted kids in the area played with the occult. I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Et où est la gonzesse? Bon, elle a disparu, et tant mieux. Elle nous a engueulé dès qu'il n'y avait pas de fusible, ça va. C'est vrai qu'elle exagère un peu. Ouais, elle est chiante. Hein. La connasse. Je suis Gus DX là, hein, vraiment. S'il y a des esprits dans cette maison, qu'ils se manifestent. C'est moi le fantôme pétomane. Putain, il m'a fait peur le con. Il m'a fait peur, quel con. Et mon cœur, il a fait un tout petit bond. Oh putain. Well, my job here is done. I better go back under Emma's stomach, considering her mood swing. It's only the third month. What's it gonna be like by the end? C'était même pas fait pour faire peur en plus. Je voulais mais juste je sais. Bill, Jesus woman, you want me to have a heart attack? Et maintenant elle est drôle en plus. Putain. I wonder if some magician used to live here. Sure, Harry. Son visage me met mal à l'aise. Et moi aussi. On dirait elle est, tu sais, elle fait trop refaire la gueule. Du coup, elle a plus d'expression. Ah, elle est toute boursouflée là. C'est comment elle s'appelle C'est Régine. C'est qui Régine? Oh ouais, peut-être tape Régine sur Google Images. Alors.
Régine, c'est une dame qui n'a pas accepté de vieillir. Je vois Régine. Oh putain. Encore, tu l'as pas vu quand elle est dans la vidéo, parce que là, tu peux te dire que c'est son expression, elle a plus d'expression en fait. Ah, ça fait peur, putain. Ça me fait peur. Mais tu parles comme de la merde. Ouais, donne-moi ça. C'est un boulot d'homme. Donne-moi ça parce que c'est mal. Allez, peint. Je vais faire les cartons. Non mais. Oh, super, c'est Housekeeper. Non mais vraiment, je. Et en plus, ils ont développé le truc au point que ça marche vraiment, ça fait des à-coups et tout. Peigner le mur. Non mais genre. Arrêtez, c'est pas la peine. Plus lentement, et oh là. Oh. Non mais je les emmerde, voilà. Voilà. Accompagne le pinceau. Ils vont vouloir que je fasse tout le mur. Non, ce serait exagéré. Je pense juste que c'est le temps que ça termine son monologue là. Ils sont complètement cons. Qu'est-ce que tu fais comme dessin? Rien, je fais les bords. Allah. Elle est grave en train de prier. Regarde, je me suis converti, c'est tout. Je me suis converti à l'islam, viens voir. Pas la peine de le mettre si loin. Ouais, c'est clair, c'est ça, on peut mettre des câbles de 5 mètres là-haut. On aurait qu'à le mettre dehors. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Ne le mets pas à la cave. Ne le regarde pas en face. Il va le faire. On va se réveiller la nuit. Pas du tout. Thomas les bons calls. Il fait complètement jour. Bah t'as fini de regarder autour de toi, va répondre au téléphone. Ouais putain merde. Mais allez merde, on a 80 ans. Oh pépère là. Yeah, évidemment, ça te tortille pas le cul d'y aller, hein. Non, j'y vais plus vite. Hello, it's David. So, this is it, boss. Ouais, c'est les devs du jeu, là. Bon, on a des petits problèmes au niveau des idées. On sait pas trop où on va, là. Mais bon. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Ah ben voyons. Harold? The one who intercepted the telegrams. What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately. Seeing Soviets everywhere. T'es tenté de passer le dialogue. Je la vois à la barre là. Oh merde. J'ai pas fait exprès. Oh! J'ai toujours trouvé ça, no offense. Parce que je sais qu'il y en aura pas dans le chat comme ça. Mais j'ai toujours trouvé ça con, parce que je sais que c'est un truc pour séparer les pièces, mais je trouve ça immonde. Tu sais, c'est quand tu veux pas avoir de porte qui prendrait de la place quand ça ouvre ou quand ça ferme, du coup tu mets ça. Mais je me dis, autant laisser le truc ouvert plutôt que d'avoir ce genre de truc. Bon, toi ça t'amuse visiblement. Elle lui installe ça dans son appart, c'est bon, pendant une heure par jour. Après, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant de prendre ça dans la gueule quand même. Parce que tu sais, j'avais plein de gens. En appart, des potes qui avaient ça. Mais généralement, c'est des familles qui ont ça. Faut aller où ? Pourquoi ils ont ça ? Faut faire quoi ? J'ai pas entendu, putain. Bah, forcément, t'as passé les dialogues. Merde. Faut aller à la cuisine. C'est pas la cuisine. Oh non, je vais pas sortir. Ça va bien. Putain, mais relou parce qu'à cette époque y a pas de détecteur de quantum. On va vraiment se faire chier.
voilà, voilà, voilà. Ah, c'est parti. Pour aller sur MSN. Ah, still warm. On va tasser vide, on l'a vu. Emma knows how to get me on my feet. So, how do I do it again? Suivez les instructions. Ouvrez le couvercle supérieur en tenant la poignée sur le côté droit. Placez les cylindres marqués par des chiffres romains dans les bonnes fentes. 2, position 1. 4, position 2. 5, position 3. 8, position 4. Fermez le couvercle. Réglez les chiffres dans les cadres aux positions suivantes, de gauche à droite. 2, 14, 6, 22. Il s'agit de position de départ, de la position de départ. Ouvrez le tiroir inférieur de l'appareil. Branchez les fils dans le tiroir sur la configuration suivante. Il faut bien augmenter la durée de vie du jeu. Fermez vos gueules. Alors, le couvercle supérieur. Donc j'ai pris une photo des instructions. La poignée. La poignée droite. Hop. Poignée droite. Moi, j'ai pas de photo. I need to take the right cylinders from the table. Luckily, they're numbered. Ça ne parlait pas de cylindre. Si, ça parlait de cylindre. I need to remember that each cylinder goes into a specific position. Ok. 4, position 2. Cinq, position 3. 8, position 4. Non. Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. 2, 14, 6, 22. Il est bien ce jeu. Enfin, il fait peur en tout cas. C'est une blague. Piece of cake. Now for the last step, the wires at the bottom. The wires at the bottom. Ils sont où les wires? Right, now I just have to plug that in using the order. Branchez les fils dans les tiroirs sur la configuration AFG ZRT. Ah, ok. A. A. F. G. Z. R. R. T. That's it. Now I just need to enter the password. C'est quoi le password? C'est Friday. Non? Ah non, c'est B-flip, je sais pas quoi. C'est B-flip. J'ai pas le truc sous le zéro. I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. Oh, alors fais gaffe. BPF loop. Attends. Pitié. Pourquoi je vois pas le P? Il est là. Ouais, faut que ça écrive Friday, ok. Ok, it works. I can get down to it. Voilà, on va taper tout ça maintenant. Toujours vide. Il boit la mare de café, ce gros dégueulasse là. Something is wrong. Configuration maybe? Something is wrong. Configuration maybe? Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Oh, fait chier. Le X, GDT, ça marche pas? Non, il dit que ça marche pas. Il faut peut-être changer. Non. Bah, je vais recommencer. Not like that. I think that someone used one of the configurations. Bon, ça suffit des blagues dans le chat pour dire que c'est une rediff aujourd'hui, hein. C'était pas moi il y a deux mois. Merde. Quelqu'un. La configuration. Ouais, mais comment la change? Ah, si, ok. D'accord. Ah ouais, mais.
Maybe that person used my code table to encrypt the message. How can I guess which combination was used? Quelle combinaison? Alors. C'est simple. Mec, c'est simple. Enfin, excuse-moi, t'es un peu bête si tu te comprends pas. Hein, donc. Je vais te donner l'astuce. Mais j'attends que tu trouves quand même. Attends. On n'a pas d'autres documents? Oh! Non. Pourquoi non? Row number. Oui. Non. Non. Lequel serait le bon? Il faut un indice. Ce qu'il nous faut, c'est un indice. Parce que là, comme ça, je vois pas forcément. J'ai une idée. Essaye de trouver l'indice. Ah ouais. Bah voilà. Je pense que. Mais le XXGDTJ là, avec le pass, il fait rien? De quoi il ça? Il va vachement quand même. Ouais. Like a message encrypted with an enigma. Ah. Maybe with the right combination, I'll be able to. C'est mieux. Ok. 5, 3, restez. A Roman 5-3-ST. This must be a clue. 5-0-3-ST. What does it mean, though? How can I use it to set Enigma up? Ça va nous aider, mais bof. Attends, ça va nous aider en quoi? Attends, ça commence par 5, ça commence par 0-3, et ça je commence regarde par ST. Il y a ST. Il y a ST, il est ST. Là. Le 0-3, je le vois, il est là. Bah, il est là et aussi. Le 5. Il est là aussi, non, mais ils sont tous à différents endroits. Non, ça commence par 0-3, c'est ça que je veux dire. Après, je sais pas si ça change quelque chose. Ah non, je pense que sur la ligne, sur la même ligne, il doit y avoir, tu vois, 5, 0-3. Trouve ouais, la ouais. ST, 0-3. Bah, ST, ouais, je l'avais. C'est le 17, c'est ça. Ouais, il y a ouais. Le 5, le 0-3 et le ST. Bon, 7. On va faire ça, alors. On verra. Alors, attends, tu dois faire quoi de ça, de cette information? Ah bah je vais changer toute la configuration mon petit, on est parti là. Mon petit. C'est un plaisir en fait. Pour deux jours j'ai mis des gars dessus. Mon petit gars, on va y aller, on prend le 1 et puis on repart. 1, 4, 7, 5. En tout cas ils ont bien sûr rajouté la durée de vie du jeu. Là, très c'est... très fort. Et quand c'est un jeu de shoot, on rajoute des vagues d'ennemis. Quand c'est un jeu d'horreur, on rajoute une boîte. Une belle boîte bien chiante où on fait deux fois la même chose en plus. Malin. Merde. Hop. Hop. On commence. On va tout enlever. Donc ça fait ST. S, ST, ST, GZ, GZ, XO. Maybe the code table will tell me more. Et là, c'est de la magie. X, L, C, M, H. Trust no one. M V Z B F Y D N. Trust no one but yourself. But yourself. On a réussi. Who wrote this anyway? Ça n'aura pris que 3 quarts d'heure. Maintenant, on va faire le reste. mais non. Non. Ah, c'est bon. Oh, j'ai peur. Oh, putain, les gars. J'ai vérifié les configurations 29 et 30, mais je t'emmerde. Me dis pas qu'en tapant, il a ouvert un truc au hasard. Excellent. This terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. Ce plot twist. Mais c'est notre maison. Heureusement que j'ai tapé sur le bureau.
or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. It hurts, so I must be alive. Damn it, I almost... Tu vas passer? Non, j'ai rien fait. J'ai mal, mais c'est que je suis en vie. C'est ce qu'il était en train de lire, ça. Bon sang, j'ai failli me briser le cou. Il m'a pris par surprise, n'était pas préparé pour une chose pareille. Il n'avait pas vraiment l'air humain, vu de près. Quand il s'est précipité sur moi, c'était comme si toute sa douleur s'était infiltrée en moi d'un coup. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Son regard pareil à celui d'un animal maltraité, le désespoir dans ses yeux. J'étais tellement abasourdi que je ne pouvais plus bouger. Je voulais crier, mais c'était comme si quelqu'un m'avait arraché les cordes vocales. Que peut-il être à la fin? Qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre de mon père? Et maintenant, ça fait peur. Ça faisait longtemps que ça a pas fait peur. Moi, je crois que c'était un jeu d'enquête. Bah, ça fait bien une heure que ça a pas fait peur, vraiment. Le jeu de création de terrain était plus sympa. Merci, Kenneth. What is he doing in your house? Is he the one responsible for my father's disappearance? What if they're in the basement? No. I'd rather not think of who's la chambre du père. Allons-y. Ras le cul d'attendre. My head. You can't come in here. Hear me, you snot. You're not allowed here. Mouais. Ah! What's wrong with me? Ah d'accord, tout est normal. C'est pas normal, tu viens juste de rentrer à l'instant. What the fuck? Qui est Maria? De quoi elle parle? Quel dédommagement? Pourquoi? Monsieur Radin, la vie d'un homme n'a pas de valeur à vos yeux. Je vous ai demandé 500 ou 1000 dollars. Juste une petite somme et vous ne voulez pas me donner un rond. Presque est arrivé à mon mari qui a donné sa vie pour votre business, ça va pas se finir comme ça, croyez-moi. Sale pute. Maria. Oh, ça a l'air légitime, elle a l'air d'être énervée. Hein. M.H. Ouais, bon, d'accord. Cool, man. Oh, putain, la... Je l'ai recassé. Tiens. Comme par hasard. C'est pas la bonne idée. Mais qui irait là? Oh là là, qui irait là? Pire idée, c'est la pire idée. J'irais pas moi, juste déjà à cause des araignées en fait. Y'a pas quelqu'un en face? Y'a un cloporte sur la tour. Je dois l'imaginer. Le cloporte ça va. Par contre? Ah non, c'est bon, c'est au-dessus. Ah c'est bon, ça va. Bah t'as bien fait de descendre. Si c'est au-dessus, en plus il marche, devant. Si t'attrapes la guibole. Je peux pas regarder derrière moi, c'est chiant. Il s'est arrêté juste là, en face de toi. Au-dessus de moi là. Il va passer sa main, je pense. Non, non, en face de toi, ça va arriver d'un coup. Voilà. Pas de problème. Ce n'était que des rats. Mais là, je vois vraiment quelqu'un, hein. Depuis le début. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un, là, on voit quelqu'un. Et oui, oui, depuis le début, je le vois et je fonce vers lui, ce qui n'a aucun sens. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Il est fort, hein. Lui, il va gagner, il bouge jamais, l'enculé. C'est moi qui dois prendre tous les risques. Bah, attendez, non, non, non. Je veux seulement vous aider. Et voilà, on a pété la maison. Putain, ça va coûter une blinde en réparation. Et merde. Oh, et merde. Putain. Heureusement, Marie est là avec nous. Ouais, plus tard. Ouais. Tu crois? Ouais, forcément que dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà des meufs qui ont trompé leur mari, elles ont été enceintes. Et elles ont fait croire que c'était un peu comme la Vierge Marie.
je crois que ça s'est tenté. En mode, tu sais, en mode, ouais, mais c'est déjà arrivé à la Vierge Marie, peut-être que ça m'arrive à moi et aussi. Pourquoi pas moi? C'est un miracle. C'est génial. Ok. Oh. Ça, c'est lourd. Ça, j'en veux. Des balles et tout. Bon, à ce moment-là, après tout ce qu'il a vécu, s'il veut pas tuer quelqu'un, il est complètement con. Hein. Ah, un truc pour crocheter, c'est pas mal. Parfait. Wouah, c'est trop cool. Avec la souris, placez le crochet sur un des cylindres. Déplacez vers le haut ou le bas pour faire monter ou descendre le cylindre. Quand le cylindre passe la ligne, bloquez rapidement avec le bouton gauche de la souris. C'est quoi qu'ils appellent le cylindre? Comme ça, ça suffit juste de... Ok. Alors les enfants, si vous voulez crocheter une serrure, c'est comme ça que ça marche. Petit tuto. Facile. Et tu sais qu'ils vendent des trucs comme ça, hein. Des kits de crochetage avec des serrures transparentes. Sur Amazon et tout. Bah viens, on en achète soi-disant pour faire une vidéo. Et en fait, après... la vérité, on cambriole des petites vieilles. Et après, on se met giga lourd. Hey, YouTube, ça paye mal, vous savez. Trop bien. Magnifique cette toile. Non, pas ça, c'est quelqu'un. Oh, c'est un peu moi. C'est toi, mec. Comme ça, C'est un peu toi. En vrai. C'est moi. Curieux hasard. Oui. Curieux hasard. Je vais allumer une bougie, tiens. Au revoir Damien. Mais je me suis placé dedans sans rien dire et j'ai attendu que tu le dises. Non mais c'est... D'accord, ce que je me disais, c'est bizarre quand même, en fait, t'es un peu moi. La ceinture de mon père. Je ne sais même pas combien de fois il m'a battu avec. Ah bah bientôt. Bientôt. Je voulais dire bravo mais ça commence par la même lettre. C'est pas mal. Je peux crocheter. Mais c'est pas non, c'est pas à cette époque qu'il fallait crocheter, je crois. Hein. Si. Mais ça fait deux fois, ça sert à rien. Ne le refaites pas. Ils essayent de le justifier, tu sais. Non. Ça sert à rien alors. Et pourquoi vous obstinez? Vous avez qu'à le faire passer ici tant que vous y êtes. Bande de cons. Et puis ça c'est moi. Ouais. Fais-le tomber, fais-le tomber le tableau là. Il y avait un truc derrière, c'est sûr. On a juste pété ce beau tableau, Damien. Super. Tu dis qu'il est beau parce que t'as dit que c'était toi. Aucune réponse ne vint de la part de Thomas. Qui ne dit mot consent. C'est ça. Super, on a fait tout ça pour arriver dans cette pièce. C'est pas juste pour des allumettes et du kérosène. Elle est très intéressante. C'est toi qui as fait ce bruit? C'est toi qui as fait... Non, ça fait... T'as vu? C'était quoi ce bruit? C'était bizarre. Je sais pas, on aurait dit que t'avais forcé la porte un peu. C'était trop bizarre, je... Ok. Ah! Ah! Attends, comment il plie les planches, il est trop fort. Elles doivent être un peu molles à cause de l'humidité. On connaît ça, on connaît. Oui, oui, oui. On connaît. Il est juste là. Derrière. Il va surgir d'un instant à l'autre. Oups, il n'y a plus de planche. Je peux faire ma blague machiavélique. La voilà. Ah non. Oh, bien joué ça. Attends, on dirait qu'il a plus de colonne vertébrale, ni même plus beaucoup de peau, et on voit ses côtes et tout. Et lui, je suppose que c'est un tueur en série, et on l'appelle le boucher ou un truc comme ça. Trop bien. C'est le Laserman.
l'homme de cuir. Ouais, ils veulent la peau des gens. Comment ça, il doit y avoir un autre chemin, je vais pas revenir en arrière. Oh les cons. Ils te font revenir en arrière là ? Ah, j'ai bien l'impression, ouais. Je peux rien faire de... Mais tu vas revenir vers la scène d'horreur. Oh non. C'est toujours sur le retour qu'ils nous font chier avec des trucs. Ouais, voilà. Ah, c'était ça, c'était au retour du coup. C'est lequel qui m'a tiré ? C'est le méchant ? Oui. C'est les Zerman. Ok, bah il est parti. Les Zerman. C'est sûr de dire laser. Mais c'est lui, c'est les Zerman. C'est le méchant dans Spider-Man. Un engrenage. Cool. Une perruque judiciaire. Alors ça, c'est génial. Trop bien. What was his name? Norton. Wait a minute. It is him. It was his death that was covered up in that noose. Poignée. Non, tu gères la porte. And the other man? The one in the tout fonctionne là. J'augmente mes DPI. Si tu si tu tournes la manivelle là, ça devrait ouvrir la porte hein. I'll retrace their steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance. Écoute, on dirait qu'il manque des pièces. Ah, bah par terre, tu vois. Par terre. Attends. Là. This is real. The blood, the metal rock. Okay, pas vraiment essayé. Non, mais il y a une autre pièce en métal et elle est juste là. Voilà. Putain. La nivelle là. C'est dur une perruque hein. C'est très dur, elle a bloqué net la porte. The judge is bleeding heavily. He will look for help. Oh putain, le sang quoi. Putain, oh, hey. C'est sang phosphorescent. C'est bien fait parce que comme ça on est bien guidé hein. Vraiment là impossible de se tromper. Tu l'as pas vu cette caisse. On est mauvaise langue. Putain, mais non, on n'est pas mauvaise langue. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est pour que tu vois la nuit. Ça me fait super plaisir, mais ça, bon. Ça casse l'immersion, oui, mais... Ouais, moi, j'ai... ça me manque un peu la séquence Quantum, quand même. Hein. L'auberge. Aucune idée de ce que c'est que l'auberge. Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est? Des balles pour ton pistolet. Putain mais on est... Mais waouh. Le jeu se renouvelle encore. On est désormais dans un FPS. Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, non? Tout va bien. Ne gaspille pas toutes tes balles, voyons. J'étais en train de me gratter, putain. What? Vanished in thin air. Je disais, quoi, oui, il attend le close moment, quoi. On avait 9 balles et on s'est juste fait baiser. Un mec dans le chat, le savoir est une arme. Ok, Oxmo Puccino. T'as bien raison, tiens. T'as les dessus avec des traits de culture. Oh, il a pop.
ça chie. This is useless. When will he finally leave me alone? Effectivement, ça ressemble un peu à Alan Wake. Enfin, sauf qu'Alan Wake qui sert de la lumière, mais ça fait un peu les mêmes effets. Left 4 Dead. Clin d'œil ou hasard? Plagiat évident. Ah, il y a une troisième possibilité, je vais l'oublier. Ok. Ça a dû lui faire mal quand même. Après, ça reste quand même ma séquence préférée du jeu, je pense. Hein. En vrai, c'est assez ouf. Ferme-toi là, putain. Et recharge ton arme, trou de balle. Est-ce que je suis vraiment en danger, Damien? Est-ce que t'as l'impression que je suis en danger? Moi, non. Ouais, okay. Ça aurait été logique pourtant. Ouais. Oh, flamme de dune. Headshot. Paf. Ça devient Call of Duty là. Fais un 360 la prochaine fois. Ah oh ouais, vas-y. J'augmente mes DPI. Oh. Attends. Il est où? Oh bah, il suffit de courir en fait, ok. T'avais plein de munitions là, partout. Je suis pas en danger. J'ai 51 balles, mais qu'est-ce que... 51 balles Qu'est-ce que c'est que ce bordel, tuer Norton? Okay. Quel problème, je m'en branle. Ok. Oh. Ah, y'a que Wartek qui arrive à le faire, hein. Ouais. Oh, je suis complètement sonné. Voilà, voilà. Voilà, Ali Branca, il y arrive pas. Clic. Ah, le pire joueur. Oh. T'as fait un peu flamme là. C'était quoi ça? Ça me fait rire parce que le jeu n'a aucun sens là, vraiment. Là je commence à craquer. Putain, c'est trop dommage, on dirait vraiment qu'ils se sont dit ouais, s'il n'y a pas de phase de shoot, s'il n'y a pas un truc à faire en FPS avec c'était de joueurs va s'ennuyer, mais non. Vous nous mettiez un truc comme au début du jeu, tout le long du jeu, c'était bon. C'est sûr, le joueur va s'ennuyer, non. Faut qu'on fasse n'importe quoi là. Ouais, mets un truc de quantum. Mets une arme. Bah non, c'est pas la peine. Enfin, c'est con, hein. T'es des gens qui kiffaient le chapitre 1 justement parce que c'était que ça. Oh, putain, il ouais, a un gaz puissant, hein. En tout cas, tout le monde regarde à la fenêtre du motel. Ça vous plaît? Voulez-vous que je l'achève? N'êtes-vous pas assez diverti? Voilà! Oh, il va me faire son péflin. Gladiator. Crève. Ouais, vas-y. Ouais, tu t'es téléporté, je t'ai vu là.
Ah, ça a abusé. Ah, ça n'a pas suffi. Ça a abusé. Oh putain. Oh. Fais flamme. Il va invoquer les flammes. Mais où est-ce qu'on est? Tu parles du jeu? Ouais. Ça va, ça vous dérange pas de... C'est la fête à la saucisse là. Ça vous dérange pas que ça a aucun sens? Y'a rien qui va. Cette séquence un peu... C'est... La tension est à son comble là. Là on parle. Ah. Troisième phase peut-être. Ah non, là, c'est la règle des trois. Ah non. Eh bah c'est non, ils ont plus d'idées, encore une fois. Oh bah ils sont divertis, ils sont allés se coucher. Tout le monde est parti dormir, bon c'est nul, il l'a tué. C'est même pas regardé la fin quoi. I heard them. No, it's happening again. It can't be. Ouais. Bah non, je vous ai je viens de vous tuer, monsieur. Like father, like son, it is you that should have died then. Hop là. Merci. Alors, papa. Laserman est finalement ouais, Ted. Laserman, c'est mon père. Ah oui, regarde, il a le chapeau de ton père. Ouais, papa, fais... Vas-y. Voilà, yes. Ouais. Je t'aime, papa. Ouais. On pourrait manger une glace? Ah, c'est chouette. Chouettos comme jeu. Plus j'ai regardé, ça met plus de 7 heures à le finir. C'est quand même faut être déter quand même pour le finir. What? Ah, trop bien. On va refaire des codes secrets. In a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Wow. Maybe if I find the other pages from the diary. Ouais. If those telegrams are ever going to be decoded, mm-hmm. I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. Oh, I've made more progress than his entire team has in months. Ah, vite, j'appelle David. C'est extraordinaire. J'y vais. David, tu ne le croiras jamais. David. Mon père est Laserman. Tu m'entends, David? Oui, David, mon père est un lézard et j'ai trouvé des codes. Et j'ai une super machine. Ok, David. Ouais, en général, quand t'es sur écoute, sur la ligne, ça fait... Ouais, c'est comme ça que les gens se font cramer, généralement. In the office. Ah, le localisateur quantique. Enfin. J'avais peur qu'on ne l'utilise plus. Ah ouais, non, c'est vraiment le point fort du jeu. Ah, merci pour cette cinéma. Jesus, are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical. Je pensais vraiment qu'on avait changé d'époque quand ils ont changé la déco au début. Hein. What are you talking about? Je sais, j'avais compris. Je comprends pourquoi t'as compris ça. Bah, il y avait quand même des trucs très anciens, je sais pas. Non, c'est leur meuble. Quand tu vois un tapis comme celui-ci, Ah,
few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? On va pas s'engueuler. My imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck, Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house. Lock the doors and windows. I'll take care of this. Et puis on divorce, voilà. Et je regarde la maison. Oh, et eux tirent pas avec son localiseur. Oh pitié quoi. Bon. Allons-y. Quoi? Tu trouves? Attends, je vais trouver. C'est très nettement ici, hein. Ouais. Oh, j'adore! Ok, il y a des anomalies. Vite! Attention, charge! Vérifie autour de toi. Là. Encore une, j'imagine. Donne une petite impulsion. On les ira mieux. J'en ai vu une. Là. Encore une? Il en reste une. Là. That fucking bastard is so confident that he approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Ouais. Il nous espionne, le coin. Ce putain. Connard. Mais il sait pas qu'on a un truc de Quantum. Gros bâtard. The signal is very clear. Quantum cloud should be right around here. Attention aux nuages quantiques. Ouais, il faut quand même faire attention aux anomalies quantiques. Hein. On rigole, mais en vrai, c'est... C'est dangereux. Oh, regardez, il a sauté la grille. Putain, ça c'est ouf en vrai. Ça, on l'aurait pas vu sans. On n'aurait pas pu savoir. Faut aller. Ah. Petit QTE là maintenant. Ils ont même mis des QTE. Hein. Il y a vraiment tout dans ce jeu, ça qui fait qu'il est bien. C'est un méchoui de plein de trucs super sympas. Si tu sais pas quel jeu faire, tu peux avoir tous les jeux en un. J'espère qu'il y aura une séquence un peu Crash Bandicoot sur la route, on va prendre la bagnole. Peut-être un Battle Royale à un moment. Tu te parachutes dans la forêt, ça contre trop de zombies là. Y a pas de direction. Ouais, c'est dans la cabane, faut arriver à monter. Tu te souviens de Dead Space 1? C'était vachement bien. Des putains de jeux d'horreur incroyables. S'il pouvait ressortir un gros triple A comme ça. Parce que tu vois, par Resident Evil, il n'y a pas eu de gros triple A d'horreur stylé. Ah, elle va. Ah, tu speedrun là, fais gaffe mec. Oh non, j'essaie juste... Putain, le plaisir du spectateur, le... Une photo d'Emma. Pas, il a pris cette photo le jour de notre arrivée, il savait même quand et où nous déménagions. Moi aussi j'aurais pris cette belle photo d'Emma là. Nous déménagions. Ah, il y avait marqué ça. J'ai pas vu. Oui. C'est une chaîne.
Eh ben, du con, prends une pince coupante. Bah, tu crois pas que j'ai essayé quand je suis arrivé là? Alors, dans ce cas-là, mets quelque chose de lourd. Plutôt scanner. Ok, bah scan. Qu'est-ce qu'il faisait, hein? Regarde ouais. Ça. Tiens, tiens. Il cache des batteries et des fusibles, on s'en branle. C'est le G-Man. Non mais maintenant il y a le G-Man. Slash Hitman mon cul. Genre vraiment. C'est le G-Hitman. Wow, c'est une séance de course-poursuite maintenant. L'espion. Genre il y a un espion dans le jardin. C'est... You can run, but you can't hide. Putain, sympa, hein. Je suis dépité. There you are, fucker. C'est ce que je fais quand un jeu est pas si bien que ça. J'imagine que je suis payé pour y jouer. Bah putain. Regarde, vas-y, fais-le. You're not losing me so easily. Les doublages sont bien par contre. Tu vois? Ah, t'as raison. Quoi ça sert? Ah, les mines. Eh, on adore les grottes et les mines dans les jeux d'horreur. Meilleur niveau. Putain, ça et les égouts, c'est vraiment les meilleurs niveaux. Chasing a spy through a cave. Fuck, what would have been a joke a week ago is now reality. Effectivement, ça aurait été une blague. Wait a minute. It's him. Et moi cet abruti. I can't get there. Which way now? Hey now! Na 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 now! Oh yeah! Il vient d'apparaître. Mec, il est complètement apparu sur l'écran. Ils ont fait aucun effort. Oh, maintenant il y a une séquence sous l'eau avec une barre de respiration. Il y a tout. Il y a tout, hein. Ils ont pris dans un bocal, ils ont tout mélangé. Ils sont trop forts, les mecs, ils ont dev pendant des années, quoi. Ça a le coup d'attendre, hein. Tu te rends compte tout le taf qu'ils ont fait pour rien? Ils auraient pu juste faire un jeu d'horreur stylé. Comme au début. Ouais, ils auraient fait le début, mais sur toute la longueur. Un peu comme Visage en vrai. Visage, c'est un truc vraiment bas de gamme et pourtant ça fait le taf. Mmh. Ouais. Ils sont concentrés sur l'essentiel. Pas peur. Ça c'est joli par contre. Alors là je vais pas leur retirer. Rien à dire. Ça fait plaisir. Là, j'aime beaucoup là. Enfin, je remercie le level designer, hein, parce que heureusement que je suis là pour élever un peu le niveau. Oh putain, j'ai vu un chariot avec une route, je me suis dit là, je l'ai ma course, mais non. Pas encore. Non, non, non. Mais ça va pas tarder. Attention le funambule. Rien à foutre. Ah bah tiens. Non, mauvaise touche. Oh le con! Yes, 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 yes. Mais ça n'annonçait pas ça la bande-annonce. Enfin, bah, le chapitre 1 du moins. Faut que je regarde la page Steam pour voir ce qu'ils vendent. Ça peut être intéressant. Des entrecôtes. Des gâteaux au chocolat. Pas plus, pas plus, pas moins. Un pistolet. Une machine de Quantum. Doesn't seem too stable. C'était pas la même touche. C'est aléatoire. Bravo à eux. Ah, bon point en plus. Mmh. Il y a des bonnes choses, hein, tout n'est pas acheté. Points, hein.
Penche-toi plus, Jeff, penche-toi plus. Complètement con, mais. En plus, il y avait l'espion qui était pas loin. Oh, j'espère que ça va faire un peu peur avec l'espion là. Ils ont recyclé le passage où on est contre le mur, parce que du coup la main correspond pas du tout à ce qu'on touche. Ils se sont dit dans la démo ça avait super bien marché ce passage, on va remettre un truc où on longe un mur, mais on va rien mettre. Non mais c'est... je comprends pas. Pourquoi le chapitre... enfin je comprends pas, chapitre 1 c'était excellent, pourquoi... C'est comme si tu vois la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, tu te dis je vais voir au cinéma, et là tu y vas et c'est les tuches. Et y a un espion. Non mais ouais, pourquoi... c'est pas normal. Non, ça c'est pas normal, non. Ça mélange trop de trucs, trop de trucs. On dirait qu'ils étaient en réunion, ils ont fait bah, alors qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes? Alors, ils aiment le shoot, ils aiment un peu le surnaturel, ils aiment la technologie. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Tu pouvais pas pousser pour monter? Pas directement, je crois. C'est un speedrun, putain, la vache. Ah oui, bah, tu sais, je vais pas non plus me faire chier à... Oh, pas à profiter chier du paysage. J'ai une machette, je suis content. Machette, non. Probablement par là. Machete. Avec les mini pasadillas dans l'El Paso. Tu le tiens, tu le tiens. Une machette. Ça va me servir à quoi? Un petit combat corps à corps? Par là. I need to get to the other side, but how? But how? But how? 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 Ah, how? Ah, ow. Bon. Ow. Ça a pas l'air d'être ça. Ah. Merde. Je peux pas t'aider. Oh bah là je suis perdu. Branche coupe les arbustes orange. Quoi? N'importe quoi. Bon, comment on pouvait savoir qu'il fallait déflicher tout ça? N'importe quoi. Hein. Alors là... Oh yes. Oh putain, yes. Yes, yes, yes. Oh putain. Alors, ils sont où? Oh, vite, vite, vite. Derrière le pont, je pense. Des anomalies, allez. Go, 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 go. Ah ouais, c'est là. C'est sûr. Je scanne. Oh. Là. Wow. Oh, yes. Des anomalies. Alors. Impulsion. Ouais, faut pas dégainer avant de savoir. Hein. Ah là, ouais. J'en vois une. Wow. Je me concentre. Je l'ai. Je ressente. Ok, cette fois-ci, je l'ai eu. Joué. On dirait les publicités sur YouTube. Ça t'indique, regarde. Là, on sait que c'est ici. C'est pourquoi? Ah ouais, tu les vois sur les côtés de l'écran. Et ouais, mec. Et là, tu sais où elles sont. Et hop, j'ai juste à lancer mon impulsion. Et à lancer mon tir. Touché. Là, tu fais penser à... Encore une. Au gosse de Stranger Things, qui aura un appareil électronique du futur. Ah, encore loupé. Je lance mon impulsion. Loupé. Faut prévoir sa trajectoire. Touché. Y a du pré-shot et tout, hein. La dernière. On dirait des sentinelles dans Matrix. C'est vrai. Eh, référence ou plagiat? Franchement, référence, c'est juste que c'est des gens de bon goût. Pas de problème, j'adore. Par contre, c'est grave chiant quand on peut pas le toucher. Bah, c'était bien, putain, ils en ont mis 4, c'était super dur. Et
Et on va arriver sur nos dernières impulsions. Hein. Moi, minuit 30, c'est... J'attends que ça, vous voyez. Je pense que là, on a fait le tour. On a à peu près fait le tour du jeu. Finalement, une Rayleigh, ça serait peut-être pas si mal. Ouais, ouais, franchement, c'est sûr que ça aurait été mieux. Allez, on rééconomise encore l'animation là. Et vous n'aurez pas de jeu d'horreur avant la fin. Non, le jeu d'horreur s'en est allé il y a longtemps. Encore une fois. Il n'y a plus d'horreur depuis tout à l'heure. Plus d'horreur. À la place, vous aurez un espion russe et des impulsions. Non, on va essayer de retrouver l'espion un petit coup quand même. Oh non, encore une. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est? Bah dans la forêt. Mais ouais, mais putain, mais... Ils ont un sacré terrain. Ah. Tu peux aller par là, vas-y, saute. Ouais, je peux. Maintenant, c'est un peu de jump. Du coup, j'espère que vous n'avez pas été trop effrayé par le jeu derrière vos écrans. Oh là là, ça va faire des cauchemars cette nuit, hein. Les planches sur le côté, moche. Mes couilles. Tu peux pas les enlever? Mes couilles. Blanche comme ça? Putain, j'essaye de le ranger. Non. Pas pour l'instant. Ah, d'abord, cabane on va à faire oiseaux, une impulsion. Vraiment... Tiens, ça nourrit des oiseaux. Ah non. Il a caché un gros caca. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc c'est vraiment un espion. Il y a des micros. Et... C'est excellent d'avoir mis ce concept d'espion là un peu. Ça soulage quoi. C'est enfin une histoire originale. Allez. Bon allez, pour tout ça. Rien à foutre. C'est un speedrun là, ouais, hop. What do we have here? An old tent, some abandoned stuff. Le mec il vit là, hein, il pêche et tout. Alors, faut être court après. Ça se trouve, la forêt elle a été faite avec Flo, machin. C'est sûr, je reconnais. Hein. Ouais. Ils ont dû bien se faire chier par contre. I need to find another way. Allonge-toi. Non, alors là on peut s'allonger. Oh, allonge-toi. Oh. Ruins of some big building. What could have happened? Putain, il déconne. That mine shaft. Ouais, ouais, je me la raconte. If I had something that would enable me to climb down it, maybe it'd lead to the inn. I could try to go down this way, but first I need a stronger rope. Mine is definitely too flimsy. Je crois qu'on va. I saw a tent on my way here. Maybe I can find something inside. On va pas tarder à. Voilà, c'est pas tardé là. On a pas mal de route en fait, donc il va falloir y aller là. Ouais. C'est tôt hein. I should check the nearby tent. I could go through here. Bien vu ça le level designer. Très très chaud le mec. Et merci à tous d'avoir sponsorisé ce live. Maintenant il y a un mec pendu. Non mais c'est bon, ça va. Ça va. C'est bon. On vote chaque. Oui, c'est un esprit maléfique. Est-ce que tu votes pour quitter toi aussi? Un détecteur de dans nous quitte cette pierre, toi, c'est bon. Ouais, ça arrive, un mec pendu. Allez, j'en voilà, peux plus. C'est suffit. Bon, ça va. Oh non mais quand tu revois cet écran là, c'est vraiment ouais, une putain genre, d'arnaque. Hein. Vous aurez peur. Waouh, c'est visage, c'est comme visage, pas du tout. Putain, des bâtards, vraiment. Voir la page. Ouais, je vais te kicker d'abord. Attends, non, d'abord fais-moi voir. Je veux voir la page du jeu sur Steam. Je veux voir le trailer, juste le trailer avant de partir. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ah ouais, tiens, le trailer, bonne idée. Parce que ça va être trop marrant en fait.
voir s'ils trompent leur monde ou si vraiment. To be the man who will turn the tide of war when everything else fails. Millions of lives are at stake. And I have to save them. Finish my work. Break the code before it breaks me. Ils sont très fiers de leur machine. Determination means everything now. For too long I've been misled. But the answer was there. Right in front of me. Ils vont terminer là-dessus, je vais les niquer. Non, ils oseront pas, je pense qu'ils vont nous monter des séquences. Je vais vraiment les niquer. S'ils montent pas Uncharted, je les nique. Hein. Bon, on l'a pas vu d'abord. Oh les bâtards, comment ils te font genre tu vas flipper. Ah non, mais on dirait du Outlast quand ils te montrent le truc. C'est un scandale. Les salopes. Et ça y était pas. Expectation versus reality. Ça y était pas dans le jeu, ça. En vrai, mec, on pourrait tellement. Ça y est pas. Non, c'est quand tu rentres dans la pièce et qu'il y a ton daron. Y a rien ici. Oh, et c'est vraiment des saloperies. Ils ont retiré tous les passages de jour où tu te balades dans la forêt. Hein. Ouais. Ça, c'est... Oh. Je te dis, genre le teaser, on dirait un Outlast. Outlast qui a au moins le mérite d'avoir de l'action et d'être flippant. 2 heures pile. Parfait. Ah tiens, 2 heures pile. Parfait. Ah, pile. Non, c'est un scandale. C'est un scandale, franchement. En plus, évaluation très positive. Les gens aiment le caca. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Le jeu est tout simplement hallucinant. Dans la même veine que Outlast 1. Mais jamais. Rien à voir avec Outlast, justement. Un énorme bravo. Outlast. Aux devs qui ont fait un travail. Ah, mais c'est Snaku. Mais Snaku, il faut qu'on parle, mec. Non, mais il faut qu'on parle. Un message. Là, c'est pas normal. Si vous cherchez un jeu avec un axe narratif prononcé qui envoie la sauce, Snaku, il faut qu'on parle. Non, alors là. On va parler. Je t'apprécie. Alors là, tu m'as perdu. On va discuter. Nous avons acheté ce jeu pour se faire peur pour Halloween. Ce fut une énorme déception. Ah, tu m'étonnes. Bah, ouais. Tu m'étonnes. Tu t'attends à un truc qui te fait flipper. T'es là à courir dans la forêt après des espions russes. Ah non, j'imagine bien, ouais. Super, les gars. Bon. Et bah, bonne nuit à tous. Au moins maintenant, on sait. On a pu le faire. Voilà. Très déçu parce que ça c'était vraiment le jeu d'horreur qui allait être vraiment bien au moins. Et je vais aller retourner voir notre vidéo sur la démo pour voir si le jeu était plus beau. Voilà. Ah, toi ça t'intrigue encore. Ça m'intrigue vraiment. Allez, bonne nuit. Au revoir.